Alors, je reviens cette fois-ci avec la Look Fantastic Box que je viens juste d'ouvrir. Et sincèrement, je crois que j'aime tous les produits. Je préfère cette box-là à la Birchbox de l'été. Après, c'est personnel, c'est chacun préfère certains produits ou d'autres. Mais là, c'est vrai que j'aime tout ce qu'il y a dedans en fait. Donc, je vais commencer par ça. C'est des petites pilules, gélules. Pour les cheveux, la peau et les ongles de la marque My Vitamins. Donc, j'aime bien tester en fait ce genre de produit en général. J'ai jamais remarqué de changement flagrant quoi, mais j'aime bien essayer ce genre de produit, tester. J'avais bien aimé quand on avait eu des petits oursons là à mâcher là. Moi, je crois que c'était des petits oursons ou des petits bonbons, je sais plus. Mais j'avais pas vu de changement, mais j'aime bien. Ensuite, de la marque Madara, donc une crème pour la nuit. Et ça, c'est vrai que j'en ai plus, donc je suis très contente d'en avoir. Ensuite, de la marque This Works, alors un sérum avec de hyaluronique acide et slow release vitamine C. Donc là, il y a tout ce qu'il faut dedans, en fait, un sérum avec tous les produits indispensables, la vitamine C et l'acide hyaluronique. Je vais y arriver, j'ai du mal à parler. Ensuite, de la marque Monou Spa, une crème pour le corps à la rose et au citron qui sent super bon. Donc ça, je sais que ça sera utilisé. De la marque Sleek, alors on a un rouge à lèvres qui a une couleur très sympa, c'est le Matte Me, donc je connais très bien cette gamme. C'est des rouges à lèvres pas chers, de la marque Sleek. Le seul inconvénient de ces rouges à lèvres, parce que je les connais déjà, c'est qu'ils sont ultra asséchants pour les lèvres. Et ma foi, la tenue, c'est pas. Voilà, on voit que c'est du rouge à lèvres pas cher, quoi. Sincèrement, c'est pas les meilleurs, on va dire. Mais bon, la couleur est sympa, ça va. Je pense que je testerai. Et pour moi, le meilleur pour la fin, parce que c'est vrai que j'avais besoin de me racheter. Ça tombe bien. Attendez, parce que ma fille, elle a mis son jouet un peu trop. Donc, je disais, j'avais besoin de me racheter un pinceau blush. Et voilà, bingo, un pinceau blush qui arrive dans une box. Et franchement. Il a l'air de bonne qualité, donc je suis assez contente d'avoir un pinceau tout neuf. Voilà. De la marque quoi d'ailleurs? Blush Brush. So Eco peut-être, je ne sais pas c'est quoi exactement la marque, mais je suis très très contente parce que voilà, j'aurais pas à faire cet achat. Donc voilà, la Look Fantastic Box du mois de juillet. Bisous les filles!